Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler. Alors on va faire d'une pierre deux coups, puisqu'on va faire l'histoire de Garrosh, hein, comme le titre l'indique. Mais on va également débunker beaucoup, mais alors beaucoup d'idées reçues relatives à Garrosh. Garrosh Hellscream, donc Garrosh Hurle-Enfer, est un personnage clivant, je dirais, un personnage très intéressant, hein, ça c'est sûr. Mais du coup, eh bien, il clive la communauté, puisque généralement on aime ou on déteste. Il laisse rarement de marbre ce personnage, à l'image de Sylvanas. Et c'est d'ailleurs de ma vidéo de Sylvanas de débunkage que je me suis inspiré pour le format de cette vidéo. Donc ce sera à la fois l'histoire de Garrosh, mais également la vidéo de débunkage. Donc, comme je l'ai dit, sa vie est pleine d'idées reçues, à la fois appréciées et détestées. Mais quelque chose d'important, c'est que c'est probablement le premier véritable personnage propre à World of Warcraft. Et là vous allez me dire, quoi? Mais non, Arthas, Illidan, bah, c'est des créés à Warcraft 3. Illidan, Arthas sont créés à Warcraft 3. Uther, Grom Hellscream sont créés à Warcraft 2. Bah, on a des personnages bien plus anciens. La plupart des persos, Thrall par exemple, en tant que chef de guerre de la Horde, bah, créé à Warcraft 3. Grom Hellscream est probablement le premier véritable personnage créé par World of Warcraft qui a du coup un développement propre à un vrai personnage. C'est là qu'on écarte par exemple du Bolvar qui, voilà, il est AFK et parfois on développe un peu, parfois pas. Grom Hellscream, pour le coup, on connaît ses motivations, on sait, on a des descriptions sur sa famille, etc., etc. Alors, bien sûr, il y a quand même des gros liens qui le rattachent aux précédents opus, il est le fils de Grom Hellscream, mais malgré tout, c'est le personnage qui, au fil des extensions, va toujours être traité et avoir un développement. Et ça, ça en fait un véritable personnage. Du coup, Garrosh Hellscream est pour le coup le véritable premier personnage que World of Warcraft va vraiment créer. Je sais, et je l'accepte moi-même parfois, Varian, mais Varian c'est une création Warcraft 2, même si son véritable développement va commencer à partir de World of Warcraft. Donc, Garrosh Hellscream a un énorme fan club. Un énorme fan club, a beaucoup de défenseurs, a beaucoup d'amoureux du personnage, puisqu'il incarne tout simplement la horde brutale et sauvage que beaucoup regrettent. Maintenant, il va falloir déjà commencer par casser cette première idée reçue, puisque souvent c'est le Garrosh did nothing wrong. Les fans de Garrosh très souvent disent oui, Garrosh did nothing wrong. Alors c'est devenu un mème, mais il y a quand même toujours des personnes qui le pensent. Si, Garrosh a fait des choses terribles. On peut aimer le personnage. Le but de cette vidéo n'est pas de vous détruire votre personnage préféré. Un peu. Non, non, pas du tout. Non mais en vrai, le personnage, il faut juste être conscient. Pourquoi je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que moi je suis pas spécialement un anti-Garrosh, je suis pas spécialement un pro-Garrosh. Au final, le perso, c'est vrai que ça ressemble un peu à Sylvanas pour moi. Je suis conscient des enjeux et du rôle qu'il apporte à l'histoire, donc ça forcément j'apprécie. Mais en tant que tel, le personnage, je comprends aussi les ficelles scénaristiques qu'ont créé Garrosh. Du coup ça j'aime moins. Mais après le personnage en soi, je suis un peu osef avec lui. Et du coup, je sais que par contre, du coup, pour quelqu'un de pro-Garrosh, je serais un anti. Pour quelqu'un d'anti-Garrosh, je serais un pro-Garrosh, évidemment. Mais le principe, du coup, comme pour Sylvanas, ça va être de montrer que ce personnage, il est ni tout blanc, ni tout noir, et qu'il a fait, clairement, des choses terribles. Ça veut pas dire qu'il faut pas aimer le perso. C'est pas du tout le but de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est d'être conscient de ce qu'il a fait et de ce qu'il n'a pas fait. Parce que le problème, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues, et comme souvent avec les idées reçues, c'est souvent quand la nostalgie et, je dirais, les attaches personnelles font créer des histoires. Très souvent, comme avec Sylvanas, Garrosh, eh bien, comme il y a des gros défenseurs de Garrosh qui adorent le personnage, ils vont, sciemment ou pas d'ailleurs, hein, oublier des passages, oublier des choses pour ne vanter que ce qu'ils aiment chez le personnage. Et personnellement, je suis pas en train de vous dire faut pas aimer un gros connard, parce que Garrosh, vous verrez que c'est un personnage qui est quand même terrible, hein, mais enfin, je parle bien sûr de ses actions, hein, qui sont terribles. Mais pour le coup, bah, je vous dis pas, ne pas aimer un personnage, un connard, c'est pas un problème en fait. Il faut juste être conscient que c'est un connard, ça c'est important. Mais par exemple, moi, bah, dans mes persos préférés, il y a beaucoup de connards dans Warcraft. Ner'zhul, Arthas, Orgrim, je suis conscient que c'est des connards. Après, ils ont parfois des circonstances atténuantes, il y a parfois des explications de pourquoi justement ils sont vrillés comme ça. Mais je suis pas en train de dire non, Arthas n'a rien fait de mal, Arthas est quelqu'un d'extraordinaire. Ner'zhul, un chic type. Non, il faut avoir un peu d'objectivité sur le propos, bien sûr. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, un petit peu casser certaines idées reçues et apprendre des choses bien entendu autour de Garrosh Hellscream. J'en profite pour remercier énormément Evanessor qui m'a bien sûr aidé sur cette vidéo, et cette vidéo arrive tout simplement avec Cataclysm. Donc la vidéo sur Cataclysm, comme pour Warlords of the Lich King, sera... En fait, on ne s'attendait pas à ce que ce soit un aussi gros morceau, mais c'est énorme, Cataclysm. Et justement, eh bien, comme pour Warlords of the Lich King, il y aura des vidéos annexes, et celle-ci en fait partie. Donc elle est là pour justement faire en sorte que la vidéo de Cataclysm ne dure pas 4 heures, tout simplement. Donc on va commencer par la création. Garrosh, quand est-ce qu'il a émergé, quand est-ce qu'il est arrivé? Eh bien, Garrosh Hellscream, ou Garrosh sur l'enfer, est un personnage qui a été créé à Burning Crusade. Donc la première extension, donc 2006, première extension de World of Warcraft, pardon. Alors, à la base, le personnage était véritablement un personnage fonction, comme normal, hein. Mais après, l'intérêt, c'est justement de voir s'il développe quelque chose, des objectifs et autres, pour échapper à ce côté personnage fonction. On verra que ça lui collera quand même un petit peu à la peau, littéralement d'ailleurs. Le fils donc de Grom Hellscream, il est le fils de Grom Hellscream, à tel point que quand vous rencontrez pour la première fois Garrosh à Nagrand, en Outre-Terre, donc à en Draenor, dans notre Draenor, eh bien, si vous allez à Nagrand donc, et que vous allez à Garadar, le village où vous avez tous les Mag'har, eh bien, vous découvrez tout simplement Garrosh Hellscream avec marqué Garrosh hurle l'enfer en français ou Garrosh Hellscream en anglais. Et c'est Garrosh, enfin c'est même pas ça, c'est Garrosh, son of Hellscream. Donc Garrosh, littéralement dans la fonction, généralement c'est généralissime évidemment, là c'est son of Hellscream. Vous avez directement la fonction, c'est quand même assez rare, vous avez la fonction qui est en dessous. C'est vraiment, voilà, il est le fils d'eux. Alors, il n'est pas seul d'ailleurs, il n'est pas seul dans cette création puisque, eh bien, il y a d'autres personnages à côté de lui qui ont un peu le même rôle. Puisque les Mag'har ont donc les Mag'har, ces orques à la peau marron, ont un autre but dans cette création. Donc à ce moment-là, Garrosh, le personnage, est un personnage faible et pleurnichard. Le truc, encore une fois, ce n'est pas un jugement en mode « ça y est, je commence à détruire votre mythe ». Non, faites les quêtes, vous verrez, il est hanté par les souvenirs de son père, qui est décrit comme un salaud par les Mag'har, puisque c'est le premier à avoir bu le sang de Manoroth et à du coup avoir condamné les orques à la damnation, on va dire, en étant des esclaves des démons. Et il est également, donc il est honteux de se passer, de porter le nom de son père, ça le hante, ça le détruit, puisque bah, les Mag'har sont les orques purs, on va dire, ceux qui n'ont pas été corrompus par le sang, tout ça, tout ça. Le truc, c'est que du coup, bah, les autres Mag'har, eux, ne voient pas bien d'un bon oeil Grom Hellscream, donc il n'a qu'un son de cloche de l'histoire de Grom Hellscream. Et il est d'ailleurs un petit peu bully, hein, il est d'ailleurs un petit peu chahuté par les autres Mag'har, notamment un autre fils d'eux, Jorin, Jorin Deadeye, donc Jorin Œil-Mort, fils de Kilrog Deadeye, Œil-Mort, le chef du clan Bleeding Hollow, donc Orbite Sanglante. Donc il y a déjà deux fils d'eux qui étaient là pour remplacer le fait que les pères étaient morts. Ça c'est important. Et du coup, eh bien, les Mag'har, il va falloir en parler bien sûr, parce que les Mag'har, vidéo sur Burning Crusade bien entendu, mais la vidéo sur Burning Crusade, j'en parle, les Mag'har c'est avant tout une ficelle scénaristique pour faire revivre des personnages, pour faire revivre les Kilrog et Grom Hellscream par nostalgie et surtout pour avoir la ficelle scénaristique. Ils sont morts, on les a tués, on va pas les faire revenir, du coup on leur dit ah bah en fait ils avaient des fils. Et comment tu justifies le fait qu'ils avaient des fils? Ah bah en fait il y avait une tribu d'orques qu'on a dégagée parce que ils étaient malades, donc ça permet aussi d'expliquer un petit peu l'histoire des orques. Et en fait, eh bien, ces mecs là ils sont restés calfeutrés dans leur coin, ils sont restés planqués dans leur coin, et en fait ces mecs là, eh bien, ils sont issus des différents clans et ils ont monté leur propre tribu, la tribu Mag'har. Ils sont des orques à la peau marron. Et en fait, tout ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va, pour essayer de se différencier de Warhammer où les orques sont verts, en fait on va dire que les orques avant étaient marrons. Je le rappelle, hein, c'était un peu la mode à l'époque, de dire que les orques étaient marrons, hein, Might and Magic, tout ça, Elder Scrolls, tout ça, tout ça. Et les orques, du coup, qui ont la peau verte, c'est quand ils ont bu le sang de Manoroth. Et oui, ils sont verts, donc vert égale gangre, égale... Donc ça c'est le grand Redcon, et est arrivé dans le grand Redcon de la peau verte des orques, et bien est arrivé justement la création de ces personnages Mag'har. Et par exemple on l'oublie, mais il y a un autre personnage qui est censé remplacer des mecs morts, c'est Gaïa, la grand-mère de Thrall, qui est censée remplacer du coup Durotan et Draka qui sont morts dans Warcraft, entre Warcraft 2 et Warcraft 3 quoi. Donc c'est vraiment des personnages qui à la base sont là pour remplacer des figures mortes mais connues par les joueurs. Et ça c'est important. Donc... on va rencontrer donc Garrosh à Nagrand, donc dans les missions de Nagrand, et Thrall à l'époque. Alors malheureusement ce n'est plus possible, puisqu'on n'est plus à sur Burning Crusade. Donc Burning Crusade classique amènera quelques quêtes, notamment celle-ci, où Thrall va justement, eh bien, traverser la porte des ténèbres le portail, le Dark Portal, et va pouvoir, la porte des ténèbres, et va pouvoir tout simplement rejoindre Nagrand et donc sa grand-mère, et il va faire la rencontre de Garrosh à ce moment-là. Et en étant en contact de Garrosh Hellscream, Thrall a été lui-même sous, il était sous l'aile bien sûr d'Orgrim Doomhammer, Orgrim Marteau du Destin, mais il a été également pris sous l'aile de Grom Hellscream, Grom Hurle-Enfer. Donc au final, eh bien, Thrall va essayer de refaire un petit peu la même chose avec Garrosh. Il va essayer de le prendre sous son aile, et surtout, comme il voit que Garrosh déteste son père, il va essayer de lui montrer justement que son père était quelqu'un d'incroyable, et que Thrall d'ailleurs, aujourd'hui, considère toujours Grom comme un héros. C'est d'ailleurs le fort Gromash, hein, c'est en l'honneur de Grom Hellscream. Donc c'est quelque chose de très important pour lui. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Thrall devient le mentor de Garrosh. Et on va casser une nouvelle idée reçue, Garrosh est plus vieux que Thrall. Et là vous dites quoi? Bah oui, Garrosh est plus vieux que Thrall. C'est juste que, comme on a toujours le sentiment que c'est Thrall qui prend sous son aile Garrosh, que Thrall est le mentor de Garrosh, et du coup que Thrall est plus vieux que Garrosh. Et Garrosh est plus vieux que Thrall. Il est né avant l'ouverture de la porte des ténèbres. L'année 0. L'année 0, c'est la naissance de Thrall. Garrosh était déjà là, lui. Parce qu'il a été mis de côté. Eh oui, première idée reçue, enfin une nouvelle idée reçue, Garrosh est plus vieux que Thrall. Alors justement, en rentrant de Burning Crusade, parce que, soyons clairs, à Burning Crusade, Garrosh fait pas grand chose. Il va rejoindre, de toute façon les personnages à l'époque, les gros personnages à l'époque, n'avaient pas beaucoup de rôle à jouer hein, dans la narration de Burning Crusade ou Otelka. Les grands personnages, parfois on les voyait se balader un peu, hein, comme Thrall à Nagrand, et ensuite il repartait à Orgrimmar et il attendait juste que les joueurs de l'Alliance viennent le taper en fait, hein, c'est tout. Donc Garrosh, suite au récit de Thrall, va complètement changer, va changer drastiquement dans sa manière de penser, dans son idée de concevoir le monde, puisqu'il passe d'un jeune orc pleurnichard, ayant honte, on va dire, du passé de son père et de son héritage au final, à justement quelqu'un qui va s'enorgueillir des exploits de son père, narrer justement et crier à la face du monde les exploits de Grom Hellscream, et du coup, eh bien, il va essayer de porter tout cet héritage sur ses épaules, et maintenant, eh bien, au contraire, il est extrêmement fier de s'appeler Hellscream, et de devenir du coup eh bien, le chef potentiel du clan Warsong. D'ailleurs, ce qui est très drôle, donc le clan Champ de Guerre, dont Grom, son père, était le chef. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que ça ne sera jamais vraiment dit que Garrosh était le chef. C'est un peu bizarre. Il est le chef, mais sans être chef. Enfin, c'est très bizarre. De toute façon, les clans orcs au début de WoW, c'est il y en a, mais il n'y en a pas. C'est un peu oui, il y en a, mais il n'y en a pas, mais il y en a. C'est un peu ça. Et justement, eh bien, en devenant, on va dire, orgueilleux, arrogant, grâce à ce changement d'identité par rapport à ses nouvelles, son nouvel apprentissage, eh bien, il va même commencer à devenir, on va dire, arrogant, on l'a déjà dit, orgueilleux, et surtout commencer à défier Thrall, puisque lui maintenant eh bien, il veut être un orc d'action, il veut rentrer dedans, il veut justement être à la hauteur de la gloire de son père, du coup il veut agir. Et le problème c'est que nous sommes à une époque où le statu quo hein, entre la Horde et l'Alliance est maintenu, et du coup eh bien, le conflit, on est plutôt sur une guerre froide où la Horde et l'Alliance ne se mettent vraiment pas trop sur la gueule. Allez voir la vidéo sur le monofaction, bifaction, trifaction, hein, là il y a toute la période justement que j'évoque. En l'occurrence, eh bien il va même, tel pour lui en fait, la modération et la sagesse de Thrall, il le voit comme une faiblesse. Il considère que Thrall est un faible, et n'ose pas agir, n'ose pas dire non à l'Alliance et leur rentrer dedans. Donc c'est un bourrin, hein, c'est clairement présenté comme un bourrin. A tel point qu'il va carrément défier Thrall en Mak'gora, donc le rituel sacré des orques, le rite sacré chamanique des orques, donc du 1v1 Ashor avec Thrall. Le truc, c'est que cette Mak'gora ne se finira jamais, puisque eh bien, il va y avoir le pré-event, ce fameux pré-event incroyable de Wrath of the Lich King, où en gros, le roi Lich envoie ses forces sur toutes les capitales de l'Alliance et de la Horde, afin de leur dire « Venez m'affronter chez moi, Philippe !» Voilà, en gros c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette Mak'gora, où il y avait toute la Horde qui était présente, eh bien, dans ce duel, nouvelle idée reçue à casser, Thrall et Garrosh se sont foutus sur la tronche avec des armures, avec leurs armes, chacun, d'ailleurs Grom avait deux haches à l'époque, Garrosh pardon, lapsus, avait deux haches, une hache dans chaque main, il n'a pas encore l'épée de papa, et ce qui est très drôle, c'est que Thrall a son marteau Doomhammer, hein, hérité de Orgrim, et il va eh bien, lancer ses éclairs normal, puisque c'est un chaman, et à l'époque ça n'a pas choqué, enfin ça en a choqué quelques-uns, mais globalement, eh bien, Mak'gora, le chaman, a le droit de lancer ses sorts. Ça c'est assez drôle, mais bon, je vous laisse aller voir la vidéo sur la Mak'gora, bien entendu. Donc arrive Wrath of the Lich King où eh bien, Garrosh sera envoyé comme chef de l'offensive Warsong, donc de l'offensive Chant de Guerre, parce que ce sont des choristes, les voltigeurs Warsong, en hommage du coup à son père. Eh bien, ce sera le chef de l'offensive Champ de Guerre. Donc on voit le clan Warsong comme étant l'un des bras armés de la Horde. Il l'était déjà à Vanilla et à Warcraft 3, il le redevient encore. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, eh bien, c'est justement Garrosh qui en devient le chef. Thrall, en gros, a envoyé Garrosh. Pourquoi lui confier un tel pouvoir? On pourrait dire que c'est bizarre. En fait, c'est justement Garrosh veut de l'action. C'est pour ça qu'il avait défié Thrall, parce que ça commençait à s'arrêter. Eh bien, on va l'envoyer sur le front. Au moins, il servira. Et peut-être que dans cette campagne, il apprendra un peu l'humilité et ça le calmera. Hein. Il y aura du sang-froid puisque le climat, tout ça. Peut-être pour lui. Et justement, il va l'épauler. Il se dit que lui tout seul, il pourrait faire n'importe quoi avec les troupes de la Horde. Du coup, il lui envoie un homme de confiance. Il lui envoie Nazgrel. Nazgrel, c'est fini. On lui envoie Saurfang, Sorcro, évidemment le haut seigneur Varok Saurfang, ou Saurfang le vieux, ou Sorcro le vieux, qui sera celui qui épaulera du coup Garrosh dans sa tâche de dirigeant de l'offensive. Et du coup, eh bien, Saurfang sera son conseiller principal, sera celui qui essaiera de lui dire, bon bah voilà, par mon expérience, je peux te dire que ce que tu fais là c'est bien, ce que tu fais c'est pas bien, etc. Et si vous faites les quêtes de la toundra boréenne, donc avec le bastion Champ de Guerre, le bastion Warsong, eh bien, Garrosh, faites les quêtes, vous verrez, Garrosh apparaît très souvent. Et en plus, ça avait beaucoup plu aux joueurs parce qu'à l'époque, les grands personnages principaux ne bougeaient pas trop, ils restaient dans les capitales, etc. Et le lore, on va dire, ça n'avançait pas tant que ça par rapport aux personnages. Je dis bien par rapport aux personnages. Bon, le lore non plus, mais les personnages, au final, Thrall, ok, il avait rencontré Garrosh, tout ça, il avait inclus les Mag'har dans la Horde. Oui, il n'a pas fallu attendre BFA pour ça. Et c'est tout, en fait, il n'y a pas grand chose. Est-ce que Thrall, est-ce que Varian, etc. ont beaucoup agi pendant Burning Crusade? Non, il y a une espèce de pause scénaristique, ils n'ont pas fait grand-chose. Et bien, à Wotelka, du coup, c'était intéressant pour les joueurs parce que Saurfang et Garrosh échangeaient énormément de mots, en fait, et échangeaient énormément de paroles. On les voyait pas faire grand-chose, mais eh bien, ils échangeaient concernant la stratégie, concernant les forces en présence, etc. Donc c'est vrai que c'était un vivier pour ceux qui s'y intéressaient, un vivier de lore assez intéressant. Et ça a d'ailleurs beaucoup marqué les esprits. C'est d'ailleurs dans cette conversation que Saurfang rappellera que voilà, il mange pas de cochon. Hein. Il mange pas de cochon, c'est quelque chose de très important pour les orques, et lui ne mange pas de cochon. Du coup, dans ces mêmes dialogues, eh bien, on voit que Garrosh, Island, n'a rien à foutre des conseils. Lui c'est baston, et l'autre lui dit calme-toi, il faudrait qu'on attaque comme ça. Et lui dit non, baston, c'est un peu le barbare dans Nullbug, quoi. Et au final, d'ailleurs, on va devoir même corriger certaines de ces conneries, certains assauts qui vont échouer, et parfois, par exemple, eh bien, Saurfang va se déguiser, et une des quêtes, c'est d'aller buter un nécromancien, parce que à cause de Garrosh, eh ben, tout n'a pas été fait correctement. Du coup, Saurfang se déguise pour passer pour un grunt normal, et va confier aux héros, aux aventuriers, une mission, et justement, eh bien, ça, c'est aussi des missions, en gros, un peu clandestine, parce que Saurfang doit corriger le tir par rapport à ce que fait Garrosh. Donc c'est assez intéressant parce que on voit que Garrosh, c'est pas forcément un grand stratège sur le moment. Beaucoup de joueurs considèrent d'ailleurs Garrosh, et c'est normal, le lore notamment de Prélude au Cataclysme vous en parle, présente Garrosh comme le grand victorieux, Wrath of the Lich King, c'est sa campagne, c'était lui le chef de l'offensive Champ de Guerre, donc c'est lui le grand héros, le grand vainqueur. Et donc quand on parle de Garrosh, il faut parler de ses grands succès, de ses exploits. Il a libéré le monde d'Arthas et dû la menace du roi Lich, il a battu le fléau. Alors le problème, c'est que c'est bien beau de dire ça, mais il faut le montrer. Et à l'époque, la narration, comme je l'ai dit à BC Wotelka, on voit pas grand chose, les personnages on les voit pas beaucoup, on les voit pas faire grand chose. Et ça c'est un des problèmes d'ailleurs. Je pense que si Wotelka devait être refait maintenant, ce sera pas fait un classique bien sûr, mais si jamais ça devait être refait maintenant, il y a probablement certains chefs orques qui avaient été créés sur le moment qui sauteraient, d'ailleurs qui n'ont jamais été réutilisés plus tard, et on verrait Garrosh probablement reprendre le commandement dans les différents trucs pour voir une évolution du personnage. Parce que là en fait, premier assaut on le voit passer pour un débile, et ensuite on ne le revoit plus de l'extension, il reste dans la toundra boréenne coincé dans son bastion. Et une fois que ça va avancer, vous le reverrez une seconde fois, tout simplement dans la cinématique d'Ulduar où il vient avec Thrall pour échanger concernant la menace de Yogg-Saron et d'Ulduar, et il sera aux prises avec Varian, et ces deux têtes de con vont se rentrer dedans, Horde versus Alliance, Orc versus Humain, comme des teubés. Cette vidéo du coup ne montre pas vraiment Garrosh sous un jour incroyable, le présentant comme un gros bœuf. Alors ça plaît beaucoup aux joueurs, ça plaît beaucoup aux gens bien sûr, un bourrin. Mais là ça le présente vraiment comme un débilos. Et il faut revenir sur le contexte d'époque, Thrall est l'orc le plus aimé des joueurs. Donc quand Thrall dit coucher et que chien il bouge la queue et va chercher le nonos alors qu'on lui a pas demandé, les joueurs ils aiment pas des masses ça. Et au contraire ils sont en mode mais qu'est-ce que c'est que ce personnage à la con, qui n'écoute jamais Thrall. Sachant que pour beaucoup, même déjà à l'époque, Garrosh c'est un peu, ouais en fait on veut nous refaire Grom Hellscream quoi. Avec la fameuse mission où il n'écoute pas Thrall et il va attaquer etc. Donc à l'époque, et oui ça peut sembler très bizarre, mais le contexte d'époque, Garrosh n'est pas apprécié par les joueurs. Et ça c'est assez incroyable. Maintenant aujourd'hui on se dit ah bah non il était vachement apprécié etc. Peut-être qu'il y avait certains joueurs qui l'aimaient, mais majoritairement Blizzard, Metzen évoque le fait que Garrosh était un personnage détesté. Il disait même qu'il y avait ceux qui connaissaient pas Garrosh, parce que bah c'était pas un personnage légendaire de Warcraft 3 ou autre, et il y avait une autre partie des joueurs qui détestent Garrosh, tout simplement. Il n'y avait même pas de personnes qui aiment, il y avait deux camps, ceux qui le connaissent pas, ceux qui le détestent. Ce qui est quand même assez incroyable. Alors j'en profite pour casser une nouvelle idée reçue. Parce que comme c'est le fils d'Hellscream, beaucoup de gens se disent bah oui Garrosh en fait c'est comme papa, il est comme papa. Comme je viens de le dire, on reprend les aspects, des aspects de Grom Hellscream pour que Garrosh reprenne la suite en fait. Donc au final Garrosh Hellscream n'est que la même, enfin c'est la même chose que Grom en fait, mais en plus jeune. Eh bien il faut casser une nouvelle idée reçue. Déjà le point incontestable qui sépare les deux, comme vous le voyez sur la couleur, ils n'ont pas la même peau. Alors avec l'explication Burning Crusade, hein, je rappelle c'est un redcon avant tous les orques et la peau verte. Mais à Burning Crusade on te dit bah ceux qui ont la peau verte en fait c'est ceux qui ont bu le sang, ceux qui ont été corrompus. Et d'autres, alors d'autres qui n'ont pas bu le sang mais ils étaient à côté des verts. Du coup bah ils ont la peau verte. Il y a des verts qui ont croisé Garrosh et il n'a pas la peau verte. Mais bon ça sera pour la généalogie des orques, je m'avance. Mais du coup, eh bien il y a déjà un problème. C'est-à-dire que Grom Hellscream, sa soif de sang, sa soif sanguinaire, il a doit surtout au fait qu'il ait bu le sang de Manoroth. Alors il pouvait bien sûr être impulsif avant, mais boire le sang d'un démon, ça n'a clairement pas aidé comme thérapie pour renforcer son esprit barbare. Garrosh, lui, n'a pas le prétexte de « bah il a bu le sang du démon, du coup il est un peu taré ». Non, Grom a bu le sang du démon, pas Garrosh. Donc si Grom pète un câble, bah effectivement le sang du démon ça aide. Enfin ça n'aide pas plutôt. Garrosh n'a pas bu le sang, donc on peut pas dire « oui bah Garrosh c'est un bourrin parce que bah il a bu le sang ». Non, ça ne marche pas. Quelque chose de très important aussi, c'est que la plupart des gens pensent que Grom Hellscream est un bœuf en fait. Je vais vous lire un passage du chef de la rébellion, qui est très très important. Le chef de la rébellion, c'est juste avant Warcraft 3, c'est la libération des camps d'internement par Thrall et Thrall qui devient chef de guerre, notamment grâce à l'aide de Grom Hellscream et d'Orgrim Doomhammer. Je vais vous lire ce passage, parce que la plupart des gens l'oublient ce passage. Parce que soit ils n'ont pas lu le livre, soit bah, ils connaissent que le Grom bourrin. Mais Grom bourrin, lui Grom par exemple il n'est pas forcément anti-humain Grom. On se dit bah non pourtant il tape toujours les humains etc. Oui parce qu'il est contraint de les taper. Et c'est Grom qui va proposer de se barrer du continent en prenant les bateaux des humains d'ailleurs. Donc au final il ne les affronte pas directement comme ça comme il le veut. Petit passage. Donc là au final Thrall est en train de se foutre sur la tronche avec un des bras droits de Grom Hellscream du clan Warsong qui ne sera jamais réutilisé par la suite d'ailleurs, qui s'appelle Iskar. Et du coup ils se foutent sur la gueule sur le fait que Iskar a ordonné à Thrall de tuer un enfant humain. Thrall a dit non, je ne tuerai pas un innocent. Il n'a rien fait, il n'a pas mérité ma haine. Iskar dit c'est un ordre, si tu veux avoir le clan Warsong à tes côtés, tu tues cet humain. Grom arrive à ce moment-là, il pousse une gueulante énorme, et à ce moment-là il dit « Iskar, mon vieil ami » dit-il d'une voix apaisée. « Tu m'as vu quand la soif de sang s'emparait de moi. Tu m'as vu patauger dans le sang jusqu'aux genoux. J'ai tué des enfants d'humains. Mais nous avons perdu tout ce que nous sommes à nous battre de cette manière, et où cela nous a-t-il menés? Vils et vaincus, les nôtres se vautrent dans des camps sans lever une seule main pour se libérer. Et encore, moins pour se battre au nom de leurs frères. Cette manière de combattre, de faire la guerre, nous a conduits là. Longtemps, j'ai cru que nos ancêtres nous montreraient une nouvelle voie. Une voie qui nous permettrait de retrouver ce que nous avons perdu. C'est un idiot, celui qui répète les mêmes actions en espérant une issue différente. Et quoi que je puisse être, je ne suis pas un idiot. Thrall a été assez fort pour vaincre les meilleurs que nous avions à lui opposer. Il a goûté les coutumes humaines et leur a tourné le dos pour se libérer. Il s'est échappé d'un des camps et contre toute attente est parvenu à me retrouver. J'approuve les choix qu'il a fait ici aujourd'hui. Un jour, mon vieil ami, toi aussi, tu comprendras cette sagesse. » Ce qui est extraordinaire, c'est que Garrosh Hellscream a le poids tout simplement du passé de son père sur les épaules. On verra que littéralement par la suite. Et ce qui est génial, c'est que dans ce livre, Grom Hellscream insulte son fils d'idiot sans le savoir en fait. Puisque Garrosh va justifier les actes, certains actes de son père pour justifier sa gloire, son honneur, etc. alors que la personne concernée dit que c'est idiot. Et ça c'est formidable, parce que ça sera, on y reviendra après, mais c'est un des thèmes autour de Garrosh Hellscream, c'est le culte du chef, le culte de la personnalité et la propagande bien entendu. Alors, justement, il revient vainqueur de Wrath of the Lich King, de sa grande... C'est lui au final qui a battu, il fait partie, il a contribué à la défaite du roi Lich, donc il revient en tant que héros, en tant que chef de sa campagne en Northrend, en Orphandre, et il fait un retour véritablement triomphal à Orgrimmar, mais vraiment hein, façon César quand il revient des Gaules. Donc c'est-à-dire vraiment un grand hommage des grandes foules de personnes rassemblées pour chanter les louanges de Garrosh, tambour de guerre, petite flûte, corps de chasse, tout ça, et on fait un maximum de bruit pour accueillir Garrosh, le grand héros de la Horde. Et c'est à ce moment-là, comme une cérémonie, que Thrall va confier Gor'Hall, alors je sais plus comment, Hurlesang je crois en français, donc la hache de son popo, la hache de Grom, il va confier la hache à Garrosh Hellscream. Garrosh Hellscream qui n'a pas du tout la même armure et même la coupe de cheveux que maintenant. À l'époque, soyons honnêtes, il n'était pas très très beau, Garrosh Hellscream, il n'avait pas de modèle dédié, c'était pas terrible. Du coup, eh bien, il récupère tout un symbole, la hache de son père, l'héritage de son père en main, il l'a, l'arme de son papa. Thrall a l'arme de son mentor, Garrosh a l'arme de son père. Donc c'est vraiment tout un héritage. Voilà, c'est vraiment, on lui confie tout simplement pour service rendu, hein, Thrall lui donne l'épée de son père et espère que Garrosh eh bien, sera à la hauteur de son père. Et c'est là qu'arrive quelque chose de très important. Alors là je vous montre deux images qui ne sont pas des artworks bien entendu, et des images, des photos de deux personnes. Tout d'abord Afrasiabi et Chris Metzen. Metzen, normalement vous connaissez, hein, c'est le papa du lore, celui derrière Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3, World of Warcraft Vanilla, Burning Crusade, Wrath of the Lich King, tout ça. Et il est également derrière Diablo, Starcraft, etc. Donc c'est le papa du lore de Blizzard, véritablement. Donc ça, celui, la personne de droite. À gauche, vous avez Afrasiabi, je crois que c'est Afrasiabi, bon, dans tous les cas, eh bien, Afrasiabi est tout simplement l'un des grands pontes du lore qui a été recruté dans la nouvelle équipe qui est arrivée avec World of Warcraft Vanilla. Donc, il n'a pas connu Warcraft 1, 2 et 3, mais c'est un grand fan de la licence, et du coup, il rejoint l'équipe pour bosser pour la première fois sur Vanilla, World of Warcraft Vanilla, donc le premier World of Warcraft qui est sorti en 2004. Et... à Burning Crusade, Afrasiabi va créer le personnage de Garrosh Hellscream comme je vous l'ai évoqué précédemment. Donc c'est un peu son bébé Garrosh Hellscream. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à Cataclysm, donc fin Wotelka, début Cataclysm, va arriver énormément d'univers étendus. Plein de nouvelles, plein de romans, plein de choses, énormément de contenu, des comics, etc. pour présenter les personnages et faire avancer l'histoire de Warcraft. Et le problème, c'est qu'à l'époque, j'y reviendrai dans la vidéo sur Cataclysme, il y a eu un travail de titan. Bon, Cataclysme est probablement l'extension qui a demandé le plus de travail, que ce soit aux développeurs, aux scénaristes. Ils ont travaillé comme des fous, et tous ceux qui attendent le World of Warcraft 2, eh bien vous l'aviez, ça s'appelle Cataclysme. Parce qu'ils ont travaillé comme s'ils sortaient un nouveau jeu, ça a été monstrueux. À tel point qu'ils n'ont pas pu tout fignoler, ils n'ont pas pu tout finir, etc. Ça a été un bordel sans nom, ils croulaient littéralement sous le travail, à tel point eh bien, qu'il y a eu des soucis au sein des équipes de scénaristes, parce qu'en fait chacun écrivait dans son coin par exemple les quêtes de chaque zone, etc. Et parfois eh bien, la manière on va dire de concevoir l'histoire en mode bon, bah là on va aller là, on va se retrouver là, on va se retrouver là, eh bien parfois en fait ils n'avaient même plus l'occasion de se réunir et de dire ah bah en fait là on a changé d'idée, on va plutôt partir là-dessus, etc. Ce qui fait qu'il y a eu des gros quiproquos dans l'écriture de Cataclysme sur certaines zones, et notamment j'y reviendrai après, la fameuse quête des serres rocheuses, hein, donc de Stone Talon en anglais, qui va opposer les deux visions de ces deux personnes-là concernant Garrosh. Afrasiabi, c'est son bébé, il a jamais voulu présenter Garrosh comme un personnage vertueux et gentil, mais il a toujours voulu le présenter comme un véritable, je dirais, orque fort mais honorable, qui va toujours défendre l'honneur par-dessus tout, mais qui est quand même un gros bourrin, et qui est l'orque, on va dire, à l'ancienne. Mais bon, je vous ai montré que l'ancienne, ça marche pas forcément toujours. Je le rappelle quand même, hein, tous ceux du Garrosh Fan Club qui disent oui, ça c'est la vraie horde, j'aime Garrosh parce qu'il représente la horde plus sauvage, brutale. Warcraft 1, Blackhand et Gul'dan, ils font ça pour le pouvoir, et c'est pour les démons. Les orques ne sont que des esclaves, ils en ont rien à foutre des orques. Warcraft 2, Orgrim Doomhammer et fin de Warcraft 1, quand il prend le commandement de la Horde, il sait que y a eu des exactions, etc. et jamais les humains leur pardonneront. Donc il préfère frapper le premier et Orgrim va causer, on va dire, beaucoup de tracas à l'Alliance et il va notamment être responsable d'énormément d'exactions. J'adore Orgrim mais j'en suis conscient. Et ensuite tu as la Horde de Thrall qui justement, la Horde de Thrall au final, et Orgrim le faisait pas forcément volontairement, enfin si, il le fait volontairement mais c'est pas sa finalité, la violence. Orgrim lui il a envie de vivre en paix mais il sait qu'il pourra pas vivre en paix tant que l'ennemi sera présent et pourra le menacer. Donc il veut couper l'herbe sous le pied et il sait, comme c'est un grand stratège, un grand tacticien, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qui doit être fait pour pouvoir avoir la paix finale. Donc il va devoir se salir les mains pour pouvoir y arriver. Ce n'est pas une finalité la violence, il n'est pas en mode oui bourrin bourrin bourrin, c'est pas ça. Thrall lui, il se bat aussi pour pouvoir assurer la paix, c'est un petit peu les mêmes thématiques qu'Orgrim mais en moins exaction on va dire. Orgrim lui ça le dérange pas de se salir les mains, Thrall un peu plus. Il va salir les mains aussi mais Thrall lui veut quand même l'honneur etc, c'est quand même pas quelque chose comme Orgrim. Même s'ils ont le même but et le même idéal, la manière n'est pas la même. Garrosh c'est un bourrin et il aime justement des défis etc, il veut se foutre sur la gueule et il a un comportement belliciste, il est prêt à déclencher la guerre pour déclencher la guerre, parce qu'il aime le combat. Donc on n'est pas du tout sur les anciennes hordes, sur les anciennes versions de la horde, je préfère le rappeler, encore une idée reçue à casser. Donc Metzen lui il a une autre conception donc au final Afrasiabi a plutôt une conception d'un second Orgrim mais en version bourrin, donc un mélange un peu entre Blackhand et Orgrim, un bourrin, mais la finalité, elle, c'est la gloire, il veut se foutre sur la gueule et basta. Il n'y a pas vraiment de finalité, c'est très terre à terre comme vision. Mais par contre, honorable, jamais dans le dos, etc., pas comme Blackhand justement ou Orgrim. À côté de ça, vous avez Metzen, qui a une autre vision diamétralement opposée à celle d'Afrasiabi, à savoir un bourrin, ça c'est vrai, un bourrin, mais un orc bourrin, plutôt fasciste dans l'idée, donc très proche de Mussolini, le triomphe à la César, tout ça à l'italienne, et c'est pas pour rien, il y a pas mal d'écho au fascisme de Mussolini dans Garrosh. Et surtout, ça va être une nouvelle fois une fonction qui va être ajoutée à Garrosh. Garrosh, en fait, est le personnage dont World of Warcraft a besoin. Il est celui qui permettra de relancer le conflit Horde-Alliance et d'alimenter, on va dire, le PVP, le faction contre faction. Alors, pas que d'un point de vue gameplay, d'un point de vue lore aussi. Vous voyez, pas PVP, juste gameplay. C'est PVP, gameplay, mais surtout lore, parce que World of Warcraft est enlisé dans un conflit entre la Horde et l'Alliance. Un conflit qui est plutôt comme thématique Warcraft 2, alors qu'à Warcraft 3, pardon, on n'était plus du tout dans cette logique. Si vous avez vu ma vidéo sur Vanilla, vous savez que c'est quelque chose qui gangrène WoW. Il y a des champs de bataille, mais il n'y en a pas, parce que c'est la paix. Mais il y a des champs de bataille, et il y a des conflits, mais c'est la paix. Et le traité de paix, il est là. Les tambours de guerre résonnent, mais pas vraiment. On est dans une espèce de situation un peu bizarre. Et Garrosh, c'est le Swiffer, c'est le balai magique de Blizzard. Vous allez voir après, on va reparler après de Theramore. Dès qu'il y a un truc un peu... qui peut empêcher justement qu'on ait vraiment du bifaction Horde versus Alliance, Blizzard va amener Garrosh, et Garrosh il va tout raser, il va tout laver, il va tout nettoyer. Du coup Garrosh, le maître chef de guerre Garrosh, ça permet de relancer totalement le conflit Horde Alliance et de pouvoir être dans une vraie idée de Horde versus Alliance, rouge versus bleu. Ça c'est la décision justement d'en faire un antagoniste principal important pour pouvoir alimenter ce conflit. Garrosh est l'antagoniste dont World of Warcraft a besoin pour faire avancer son histoire, parce que sinon on est dans un statu quo hors d'alliance où il ne se passe pas grand chose. Donc il a la fonction de relancer le faction versus faction à la Warcraft 2, parfois en faisant une écriture bizarre et haute, mais en tout cas c'est le souhait. Et comme vous le voyez, les deux visions ne sont pas vraiment égales, et ce qui fait que il va y avoir des problèmes, des incohérences au niveau de Garrosh, avec une écriture d'un côté qui sera très honorable de Garrosh et de l'autre, personnage qui n'en a rien à foutre des valeurs morales et qui va aller à l'encontre de tout ce qui a été dit par la vision précédente en fait. Sauf que c'est pas du tout du Mists of Pandaria, ça c'est aussi une idée reçue qu'on voit souvent, c'est Mists of Pandaria qui a choisi de faire Garrosh un antagoniste principal et de faire d'un Garrosh qui en a rien à foutre de l'honneur et autres. Non, ça c'est déjà présent à Cataclysm, voire même avant Cataclysm, dans la transition au tel cas Cataclysm. L'effondrement, prélude au cataclysme et Cœur de loup par exemple, qui sont les deux premiers romans, et les différentes nouvelles, nous montrent Garrosh comme un Sacré salaud. Alors il y a les deux visions aussi, hein. Vous avez une vision un peu plus honorable, notamment la nouvelle de Garrosh qui est sortie avant Cataclysme, où eh bien, un seigneur orc a attaqué des membres de l'Alliance qui étaient désarmés. Garrosh a failli le tuer et Thrall lui dit calme-toi, c'est le dernier avertissement, la prochaine fois c'est la cour martiale pour lui. Et Garrosh acceptera. Donc là on a plutôt le Garrosh honorable. Mais à côté de ça vous lisez par exemple l'Orée de la Nuit que j'ai décrit en vidéo. L'Orée de la Nuit, il est prêt à sacrifier tous les réprouvés en mode rien à foutre, à tel point qu'il n'y ait plus de réprouvés et que réprouvés brûlent devant l'Alliance. Donc il ne donne pas du tout une victoire militaire à Garrosh et le fait passer pour un gros bourrin encore une fois. Et surtout si vous lisez Prélude au Cataclysme, mais surtout si vous lisez tout simplement Cœur de Loup, vous voyez que Garrosh est capable d'exactions terribles, comme par exemple d'attaquer donc les elfes de la nuit qui n'avaient rien demandé à ce moment-là, d'attaquer les elfes de la nuit, de tuer à la fois les militaires mais aussi les civils, et surtout, il revient du Northrend, il revient du Norfandre, il va utiliser la culture locale. Il a affronté les Magnator, des espèces d'hommes centaures, mais comme son nom l'indique, Magnator, c'est donc en fait un mélange entre mammouth et humain, donc des centaures mammouth en gros. Et Garrosh eh bien, va amener en esclavage les Magnator en prenant en otage leurs petits. Et en gros ils disent, bah si vous nous obéissez pas, on tue les petits. Ça c'est Garrosh Cataclysme, hein. C'est pas du mop, c'est du Garrosh Cataclysme, c'est du Garrosh pré-Cataclysme même. Donc Garrosh Hellscream c'est aussi ça, hein. Et il envoie du coup les Magnator buter les elfes de la nuit à Shenvale, donc dans la forêt d'Orneval. Ça c'est Garrosh à l'époque. Donc Garrosh encore une fois est l'antagoniste dont t'as besoin WoW. Alors pourtant, et là vous voyez que c'est de manière objective ce que je dis, parce que moi je déteste ce bifactionnisme Horde versus Alliance qui est pour moi un rejet total de Warcraft 3 en fait. Donc on est sur une thématique propre à Warcraft 2 qui a été avancée à Warcraft 3, mais à Warcraft 3 le conflit Horde Alliance c'est pas du tout l'intrigue en fait. Et c'est l'intérêt même de Warcraft 3. Donc là on revient à oui mais du Horde versus Alliance, et ça moi j'aime pas du tout. Mais objectivement, si on veut avancer dans du conflit Horde versus Alliance, bah c'est vrai, Garrosh est le personnage dont World of Warcraft, le jeu, a besoin. Pas forcément la licence Warcraft, mais le jeu World of Warcraft a besoin de Garrosh. Et justement, eh bien, à Cataclysme, on va opérer tout simplement un nouveau modèle. Il va avoir enfin un modèle dédié, un modèle très classe, hein, soyons honnêtes, un modèle très classe, qui va drastiquement changer la perception des joueurs. Si vous avez vu ma vidéo sur WoTLK, je vous parle souvent du fait que l'apparence est très importante à tel point que les gens s'arrêtent sur l'apparence et ne consultent pas le fond. Pour Garrosh, bon le fond il est assez simple, hein. Le fond de Garrosh c'est tapez et voilà, tapez, fidèle papa, gloire papa. C'est un peu ça Garrosh. Mais le truc c'est qu'en fait, à l'époque, comme je vous l'ai dit juste avant, Garrosh Hellscream n'était pas apprécié parce qu'il disait fuck à Thrall. Et à l'époque on dit pas fuck à Thrall. On est encore dans la gloire à Warcraft 3, où tous les personnages de Warcraft 3 sont sacralisés, à tel point qu'on va tous les abattre. Mais ils sont sacralisés. Donc si ce parvenu dit à Thrall ta gueule, bah on lui met une grosse rouste. Mais à Cataclysme il a un nouveau visuel et il est plutôt badass. Et c'est à partir de Cataclysme que le fan club Garrosh va véritablement commencer à avoir des abonnés on va dire. Et ce qui est très intéressant et ironie de l'histoire, c'est qu'on a créé les Mag'har, ces orques à la peau marron, pour se détacher de Warhammer, dont Warcraft est à l'origine, à la base un jeu Warhammer qui finalement a été abandonné par Game Workshop, les concepteurs de Warhammer, donc Warcraft avec Blizzard avec les assets qu'ils avaient, ils ont créé leur propre licence, Warcraft. Ils ont voulu se dégager un petit peu de cet héritage Warhammer avec les orques à la peau marron, en créant voilà, leurs propres orques et leur histoire. Ce qui est très drôle, c'est qu'à Cataclysme, le nouveau modèle, le nouveau design de Garrosh Hellscream, il ressemble beaucoup, mais alors énormément, à un orc de Warhammer qui s'appelle Grimgor Ironhide, donc Grimgor boîte en fer. Et ils ont une grosse hache, alors pour le coup c'est une hache à double tranchant pour Grimgor, mais il y a l'orque chauve qui gueule énormément, qui a un cri de guerre monstrueux. À l'époque en plus Grimgor avait il était dénudé au niveau des bras. Maintenant c'est plutôt forcément le cas, cette espèce d'énorme ceinture avec une grosse tête de crâne, le pire étant les bottes, là on le voit pas bien sur l'artwork de Grimgor, mais le bas en fait, entre la ceinture et les bottes, c'est hallucinant, c'est bluffant, c'est les chaînes évidemment, etc. Donc on a une esthétique vraiment très proche, donc moi je trouve ça très ironique qu'on ait créé les Mag'har pour se détacher de Warhammer, pour quand on va donner un modèle ultra classe à Garrosh, bah en fait ça ressemble beaucoup à un orc de Warhammer. Donc voilà, c'est ma petite ironie personnelle. Et arrive du coup à Cataclysme, eh bien la suite de l'histoire, justement, comme je l'ai dit, il faut que Garrosh ait un poste important. Or, bah, Thrall est le chef de guerre, et Thrall, en tant que chef de guerre, bah, lui il est plutôt pacifique, il est en statu quo, il s'entend très bien avec Jaina qui dirige Theramore, il essaye de faire des traités de paix avec l'Alliance, etc. Pour faire avancer les choses, Thrall, bah, c'est compliqué. Arrive le cataclysme avec la menace du monde, etc., des swings, les éléments qui se déchaînent. Thrall, en tant que chaman, doit écouter les éléments et du coup, eh bien, doit partir. Et il va confier son poste, il cherche à savoir à qui il va confier son poste. Et ça, c'est très important, parce qu'il, du coup, il cherche un héritier pour être chef de guerre provisoire. Ça, on l'oublie très souvent, mais c'est provisoire, c'est le temps de s'occuper du cataclysme. Et quand il reviendra, il pourra reprendre son office. Donc, il cherche un poste de chef de guerre provisoire. Et il essaye de faire la liste en fait des successeurs possibles. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, le premier choix de Thrall n'est pas Cairne, malgré ce qu'on pourrait croire. Non, il s'agit de Dranosh Saurfang. Donc Dranosh Sorcro ou Sorcro le jeune, le fils de Varok Saurfang, la légende. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, il le décrit comme un être très sage, très calme, très vertueux, qui est capable d'écouter, qui a de la patience et qui est un grand guerrier, une grande brutasse dont la Horde est fière et a besoin. Il connaît l'héritage de la Horde, il connaît l'héritage de ses ancêtres. Et moi j'en profite pour vous montrer une petite vidéo, puisque évidemment Dranosh Saurfang est, comme la Thrall l'a décrit, quelqu'un de très sage et de très efficace, de très malin. Voilà, ceci était le premier choix de Thrall en tant que chef de guerre de la Horde. Hein, très sage, très calme, très patient. C'est également la seule vidéo de Dranosh Saurfang. Et la dernière. Pas vrai en plus, puisque à BFA on le reverra vite fait, dans un petit caméo. Enfin bon, du coup, Dranosh Saurfang est mort, donc son premier choix malheureusement ne fonctionne pas. Il va du coup lister, le deuxième choix c'est Cairne, l'ami de toujours, le chef des Tauren, l'ami de toujours de Thrall, qui est l'un des membres fondateurs de la Horde de Thrall, avec Vol'jin, donc forcément eh bien, il pense à Cairne. Cairne est âgé, mais c'est surtout le problème en fait ici, c'est pas qu'il soit âgé, bien sûr le fait qu'il soit âgé pose problème, mais c'est surtout le fait qu'il a ses propres conflits politiques et diplomatiques à Mulgore. Donc chez lui, eh bien, Cairne a des soucis notamment avec un clan qu'il va falloir retenir, le clan des Grim Totems, le clan des Totems Sinistres. Donc un clan de Tauren qui n'est pas d'accord avec la politique et les choix de Cairne. Donc il a des, en gros, il a des personnes qui sont contre lui, et Thrall se dit, bah voilà, il a ses propres problèmes dont il doit s'occuper, donc c'est pas vraiment à lui que je devrais c'est pas vers lui que je vais me tourner. Ensuite, ces deux autres options sont Saurfang, le vieux, hein, Varok Saurfang, donc Varok Sorcro, et Etrigue. Là pour le coup il considère juste qu'ils sont trop vieux. Alors Saurfang a perdu son fils, hein. Saurfang le vieux a perdu Saurfang le jeune, donc il est un peu accablé, tout ça. Et en plus de toute façon il est trop vieux pour pouvoir diriger. Etrigue pareil, donc voilà, Etrigue et Saurfang sont balayés comme ça. Et ce qui est génial, c'est que là justement eh bien, Thrall se dit bon bah il reste qui? Eh ben, malheureusement il reste que Garrosh. Et là vous, et vous ne rêvez pas, non, je le rappelle bien. À ce moment là Vol'jin n'est aucunement mentionné. Évidemment, Nazgrel non plus, hein, bien sûr, Nazgrel qui est le bras droit de Thrall, je le rappelle. Mais bah, à partir de Wotelka, hein, Nazgrel, il a disparu. Je rappelle que quand même c'était le commandant de la Horde en Draenor, c'était lui le chef de l'offensive, tout ça, mais bon, c'est pas grave, on l'a oublié. Et Vol'jin, surtout le problème, c'est que Vol'jin n'est pas mentionné. Et Vol'jin aura un rôle important à Cataclysme. Dès si vous faites un troll à Cataclysme, bah, vous voyez son histoire au départ, Vol'jin qui dit fuck à Garrosh en tant que chef de guerre, tout ça. À ce moment-là, Vol'jin n'est même pas mentionné. Si vous lisez Chronicles, Chronicles a rattrapé la bourde en insérant Vol'jin comme si... pas de problème. Et d'ailleurs, bah, historiquement, Vol'jin sera le futur chef de la Horde. Donc c'est vrai que ça fait un peu tâche de l'avoir oublié à ce moment-là. Ça vous montre aussi que Blizzard n'avait pas tout prévu à l'époque aussi. Donc Vol'jin pas mentionné, ça c'est un petit peu la honte. Et le truc, c'est surtout que devant la décision de Thrall de faire de Garrosh le chef de guerre... Eh bien, Cairne, le chef des Tauren, va s'opposer à Thrall. Il va s'opposer à lui. Thrall veut que Cairne conseille Garrosh. Et dans ce bouquin, ce qui est absolument génial, je ne le lirai pas parce que sinon la vidéo sera trop longue ici, mais je l'ai lu sur le stream. Et ce qui est très drôle, c'est que Cairne est présenté vraiment comme quelqu'un de très intelligent. Et il essaye de convaincre Thrall en lui disant mais tu sais très bien que Garrosh n'est pas compétent, ne peut pas, il va mener la Horde dans le mur en fait, tu le sais très bien, il est arrogant, il est orgueilleux, c'est un bourrin, il ne réfléchit pas tant que ça, Ok, le peuple l'aime bien, mais ils se rendent pas compte de la folie que peut représenter Garrosh au pouvoir. Donc on voit un Cairne très perspicace au final de ce qui va se passer. Le pire, c'est que dans la narration, ils nous disent que Thrall en est conscient aussi. Thrall en est conscient, mais Thrall impose sa volonté. Là, c'est le souci, bien sûr, c'est que, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que Thrall est conscient du problème, mais finalement, il va quand même nommer Garrosh chef de guerre. Et là, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, bah, vous comprenez bien que c'est l'imposition, je dirais, des scénaristes de faire passer Thrall comme un débile à ce moment-là. Et il n'est pas si débile que ça, puisqu'il en a conscience. Mais je ferai une vidéo de débrief sur l'effondrement prélude de Cataclysme, parce que c'est super intéressant et super important. Mais il fallait avancer. Donc on force un petit peu le passage en disant, bah si, Garrosh faut le nommer. Alors que tout indique que non, c'est pas une bonne idée de le nommer. L'histoire leur donnera raison à Cairne. Du coup, quand Thrall s'en va, Cairne doit conseiller Garrosh. Il va y avoir des incidents. Cairne va défier Garrosh en lui disant qu'il n'est pas compétent et qu'il est indigne d'être chef de guerre. Il va y avoir ce qu'on appelle Mak'gora, le duel entre Garrosh et Cairne Bloodhoof, Cairne sabot de sang, et les deux vont se mettre sur la tronche en arène. Le problème, c'est que, eh bien, vous voyez, il y a trois personnes. On voit Garrosh sur le corps de Cairne, et au fond, vous voyez une espèce de tauren chaman, un petit peu là, avec une armure tauren. Eh bien, elle, c'est Magatha Grim Totem, Magatha Totem Sinistre, la chef du clan Grim Totem, et elle a fait en fait empoisonner la hache de Garrosh afin que Garrosh tue Cairne facilement. Parce qu'en fait le truc est de l'aveu même de Garrosh, ça aussi c'est une autre idée reçue comme quoi de toute façon Garrosh aurait gagné contre Cairne. Garrosh le dit lui-même dans certaines nouvelles et dans certains romans que justement eh bien, il l'avoue lui-même qu'il aurait probablement perdu, je crois que c'est dans la nouvelle de Bane, justement le fils de Cairne, il l'avoue lui-même qu'il aurait probablement pas gagné contre son père en fait, qu'il allait perdre, il allait probablement perdre le combat étant donné que Cairne était un guerrier immensément puissant. Donc c'est justement grâce à cette ruse que Garrosh tue Cairne. Garrosh à ce moment-là, bah, c'est l'écriture d'Afrasiabi, il est honteux de ce qu'il vient de faire, c'est terrible pour lui. Il a déshonoré sa famille, il s'est déshonoré lui ainsi que l'héritage de son père, quelque chose de terrible. Il va bannir du coup Magatha Grim Totem qui voulait essayer de former une horde ensemble. Garrosh va la bannir et va s'en vouloir toute sa vie d'avoir tué Cairne de manière non honorable. Ça, encore une fois, ça rentre dans le côté écriture d'Afrasiabi. Cataclysme, le bordel, les deux divisions qui s'écrivent en même temps et ce qui crée des incohérences. Cataclysme, encore une fois. Le point d'après, et là c'est ça qui est intéressant, puisque cet arc a choqué beaucoup de joueurs, notamment bah, les joueurs de Warcraft 3 et autres, puisque Cairne ne meurt même pas dans le jeu, Cairne meurt hors champ dans un livre, qui offre des choses très intéressantes pour Cairne, mais dans un livre. Donc c'est quelque chose de terrible, Thrall en plus est AFK, donc c'est quelque chose qui va marquer les joueurs, en bien comme en mal. C'est déjà encore une fois là où certains vont détester Garrosh, ceux généralement qui aiment Thrall et Cairne vont à ce moment-là détester Garrosh. Et tu as le fan club de Garrosh qui justement se dit putain ce personnage est incroyable, il a su battre Cairne, il a dit non à Magatha qui l'a utilisé contre son rival. Donc au final il est instrumentalisé tout ça et on commence à avoir un amour de Garrosh. Et encore une fois l'aspect visuel fait que il est classe donc je kiffe. La forme avant le fond. Donc une justification qui est offerte maintenant que Garrosh est chef de guerre évidemment. Justification parfaite pour reprise du conflit hors d'alliance, comme le personnage il a été parachuté en tant que chef de guerre pour pouvoir lancer le conflit hors d'alliance, et bien ça arrivera évidemment avec Cataclysme, début de la guerre chaude, fin de la guerre froide et début de la guerre chaude avec Cataclysme, et fin Wotelka et reprise à Cataclysme, avec véritablement un conflit hors d'alliance. Thrall, Cairne et Vol'jin sont trop pacifiques, à l'image de Warcraft 3, Garrosh sera la personne qui pourra relancer le PVP dans World of Warcraft. Alors une autre idée reçue qui arrive souvent à Cataclysme aussi, c'est le fait que la reconstruction d'Orgrimmar suite à l'incendie qui a eu lieu entre Wotelka et Kata, qui est une justification de lore, hein, d'histoire, de scénario, pour justifier surtout la retouche, la refonte graphique de la capitale, mais c'est plutôt bien amené, qui a lieu également dans Prélude de Cataclysme. Et si vous lisez le livre, eh bien dans Prélude de Cataclysme, on apprend que c'est pas du tout Garrosh qui a reconstruit Orgrimmar. La plupart des gens pensent que c'est Garrosh qui, en tant que nouveau chef de guerre, a reconstruit. Et d'ailleurs dans le starter des orques, c'est un peu ce qui est dit, à demi-mot. Mais en fait, c'est pas du tout Garrosh qui a reconstruit Orgrimmar. Il était là quand la reconstruction s'est achevée. Mais en fait c'est Thrall le commanditaire de la reconstruction d'Orgrimmar, Thrall qui a appelé un de ses vieux amis, à savoir Gazleu, hein, le gobelin, le fameux gobelin neutre qui ne bosse que pour la horde, et du coup eh bien, ce chef gobelin, hein, Gazleu, va reconstruire Orgrimmar et c'est Thrall qui est le commanditaire et c'est Thrall qui va payer également Gazleux pour pouvoir financer les travaux. Alors par contre c'est vrai que souvent ce qui à mon avis joue dans cette confusion en pensant que c'est Garrosh qui est le commanditaire de la reconstruction d'Orgrimmar, c'est la nouvelle apparence d'Orgrimmar qui est très proche de la nouvelle apparence graphique de Garrosh. Du métal, du métal, des pics, du métal, des pics, du métal. Et au final... c'est vrai que l'esthétique correspond pas mal à Garrosh, mais pourtant, eh bien, c'est Thrall qui l'a fait reconstruire. Donc on pourrait imaginer bien sûr que dans les travaux à la fin, Garrosh a dit oh, « je rajoute du pic et du métal là !» Mais au final, c'est Thrall qui a commandité le truc. Donc c'est souvent, à mon avis, c'est pour ça aussi qu'il y a cette confusion. Autre point sur l'aspect visuel de Garrosh, quand je vous disais qu'il portait l'héritage de son père, eh bien, il le porte directement sur les épaules, puisque sur ses épaulières, eh bien, ce sont les défenses de Manoroth, le démon que son père a tué, qui a permis de libérer les orques de leur héritage démoniaque, eh bien, ils portent des épaulettes. Alors bien sûr refaites, en plus petites, etc. Mais ce sont les épaulettes de Manoroth qu'il porte littéralement sur ses épaules. Donc il porte le fardeau de son père dans la main et sur les épaules. Vraiment le fils d'Hellscream, quoi. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que justement en tant que chef de guerre, Garrosh va pouvoir, comme je l'ai dit, relancer les offensives contre l'Alliance. Et en tant que chef de guerre, il devient le responsable des armées, c'est lui qui commande, commandant des armées. Et du coup, c'est lui qui va envoyer les armées dans différents lieux, dans cette espèce de guerre mondiale qui arrive entre la Horde et l'Alliance à Cataclysme. Et notamment dans cette guerre ouverte, il va lancer sur de nombreux fronts les attaques contre l'Alliance. Alors bien sûr, il y a le militaire, Horde versus Alliance, les armées de la Horde qui affrontent les armées de l'Alliance. Mais évidemment, il y a aussi des dommages collatéraux. Et notamment, par exemple, Ashenvale, où j'en ai déjà parlé, il va réduire en esclavage les Magnator et prendre en otage leurs enfants pour diriger les Magnator contre les Elfes de la Nuit, notamment des innocents et des civils. Alors ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que souvent les gens retiennent de Garrosh que c'est un grand stratège. Comme je vous l'ai montré jusqu'à maintenant, c'est pas trop le cas. Mais ce qui est assez intéressant, et dans les livres justement de Prélude au Cataclysme, on voit un peu plus le côté stratège de Garrosh. Alors, c'est pas non plus un Orgrim Doomhammer, hein, c'est pas un génie de la stratégie, mais il a 2-3 éclairs de... il a 2-3, on va dire, fulgurances. À certains moments, il va penser à des petites tactiques militaires, notamment l'emploi des Magnator est pas bête hein, sur le papier, et notamment certains sièges de villes Elfes de la Nuit où ça va bien se passer. Il va faire appel aux déchiqueteurs gobelins pour pour faire tomber les grands arbres et écraser du coup les murailles Elfes de la Nuit, donc ça c'est pas bête. Mais dans ces mêmes bouquins, il montre aussi les limites de sa stratégie, puisque par exemple, il pourrait totalement achever les Elfes de la Nuit et gagner la campagne. Il va les laisser fuir pour qu'ils témoignent de sa gloire, etc., etc., etc. Du coup, son orgueil, va aller à l'encontre de sa stratégie. Donc, la plupart des gens, souvent, qui aiment Garrosh disent que c'est un grand stratège. Les faits ne montrent pas que c'est un grand stratège. Un tacticien, pour un orc moyen, c'est vrai que il a 2-3 éclairs de génie et du coup, il est pas non plus dégueulasse. Mais j'ai envie de dire que ça vaut du Blackhand en termes de stratégie. C'est bien, c'est correct. Mais c'est pas non plus du Thrall ou du Orgrim, qui sont beaucoup plus intelligents d'un point de vue militaire. Et je vous parle de faits, de choses qu'on peut voir en jeu ou dans l'histoire de Warcraft. Ce qui n'est pas trop le cas pour Garrosh. Même si, encore une fois, il y a bien sûr des batailles qu'il a très bien menées. Et maintenant, j'y reviens, la plupart des joueurs oublient les éléments négatifs, ou en tout cas, alors consciemment ou pas, hein, parfois c'est juste qu'ils ne le savent pas, parce que ça vient d'une nouvelle, ça vient d'un livre, et ils ne l'ont pas forcément lu, donc ils ne le savent pas. Mais parfois c'est consciemment pour éviter de dire que Garrosh a fait des choses terribles. On se rappelle surtout d'une chose à Cataclysme, c'est les quêtes des Serres Rocheuses, comme je vous l'ai dit, écrites par Afrasiabi, qui n'avait pas eu le mémo, hein, il n'a pas reçu le mémo, comme Morgan Freeman dans Batman, il n'a pas reçu le mémo, et au final il a dû écrire cette zone, qui d'ailleurs sur le papier est vraiment pas intéressante, beaucoup trop de caméos, de clin d'œil à des jeux Splinter Cell au départ, avec l'or qui fout le feu, etc. Avec les lunettes d'infrarouge. Moi je trouve pas ça très intéressant pour le coup. Il y a des références à Bioshock, il y a des références partout, c'est vraiment la catatouch partout. Sauf la fin, qui est super intéressante, où justement un tauren essaye de convaincre le mec que Garrosh tient dans la main, le suzerain de la zone, orc, dont j'ai oublié le nom, c'est Kromgar ou un truc comme ça. Ça finit par Gar, comme tous les orques, et en gros, ce suzerain là, il n'hésite pas, pour la gloire de Garrosh et la gloire de la Horde, à se déshonorer et à faire des choses absolument terribles. Et du coup, eh bien, les taurennes essayent de trouver des arrangements avec les druides. Donc les druides taurennes et les druides elfes de la nuit essayent de trouver un arrangement. Et parce qu'il y a un endroit qui est sur le front de guerre qui est neutre et n'a absolument rien à voir avec l'Alliance. C'est juste des elfes de la nuit druides qui partagent avec des taurennes tranquillement. Et du coup, eh bien, le suzerain, je crois que c'est Kromgar, un truc comme ça, ouais. Le suzerain Kromgar, là, eh bien, il va prendre contrôle du village tauren et va s'en servir comme QG, en fait. Enfin, pas vraiment le QG, mais il va s'en servir comme tête de pont pour ses offensives. Et surtout, il voit d'un très mauvais oeil que les tauren pactisent avec les ennemis, les elfes de la nuit. Donc, à un moment donné, eh bien, il va faire assassiner les envoyés tauren, notamment le fils du chef tauren du village. Et il va faire assassiner tous les elfes de la nuit, enfin, une partie des elfes de la nuit, qui était au sommet. Et ensuite, eh bien, il va larguer une bombe de mana sur la zone, donc il va bombarder la zone. Il va faire bombarder la zone par des montgolfières, des zeppelins, gobelins. Il va la faire bombarder et il ne restera plus rien de la zone druidique, hein, tout va exploser. Et ça, eh bien, Garrosh, là on est dans l'écriture honorable de Garrosh, il débarque. D'ailleurs, il débarque par un portail en mode « salut ». C'est assez comique, mais bon, c'est l'époque, on n'avait pas encore tout. Il sort de son portail, il le chope par le cou et lui dit « vous avez déshonoré la horde, vous avez déshonoré... ce qu'on fait, etc. Vous êtes un salaud, enfin vous méritez la mort. » Il avait déjà fait son avertissement dans la nouvelle avant Cataclysme, où il y en avait un suzerain justement qui avait osé se déshonorer. Et bien là, cette fois, il n'y a pas Thrall pour l'arrêter. Il le balance du haut de la montagne. Ça a fait un truc très classe. Il y a un petit côté 300 évidemment. Nous sommes les Spartiates, bam. Il y a une petite référence bien sûr, mais c'est assez sympa. Et c'est vrai que la quête vaut le détour. Franchement, elle est super intéressante. Pour le coup, le reste de la zone c'est pas très intéressant, mais celle-ci est cool. Et le problème en fait, c'est que même Afrasiabi maintenant regrette cet endroit, parce que ça va à l'encontre de ce qui était voulu par les scénaristes et par du coup l'équipe de rédaction, et que ça va à l'encontre de ce qui a été dit. Ça crée une incohérence. Et c'est parce que justement ils étaient tellement dans le travail qu'il n'a pas eu les infos pour pouvoir écrire la zone comme elle aurait dû être. Du coup il a écrit comme ça. Or souvent les fans de Garrosh utilisent cette zone en mode oh, « regardez, c'est mon Garrosh, c'est comme ça ». Mais en fait Garrosh là c'est une erreur. Garrosh en fait cette zone là il n'aurait pas dû se comporter comme ça en fait. Et ça aurait pu être un autre personnage, ou du moins... là on a un souci justement, un véritable conflit à Cataclysme entre les différentes écritures. Je le rappelle, hein, juste avant il n'a pas hésité à utiliser... Il n'a pas hésité à utiliser justement les Magnator, etc. Donc il a commis aussi des crimes terribles. Et au sein même de son propre, des propres membres de la Horde, que ce soit les réprouvés, et je ne l'avais pas encore évoqué, les trolls, notamment Vol'jin, sur le starter Cataclysme, qui n'a pas du tout été évoqué dans l'héritage en tant que chef de guerre. Eh bien Vol'jin, il est dit, si vous faites le starter troll, Vol'jin se barre. Vol'jin est en désaccord avec la manière violente de voir les choses de Garrosh, tout comme Cairne au final. Et il va du coup dégager les trolls. Ils ont repris de toute façon, ils ont repris les îles de l'écho avant, hein, à la fin au Telka. Donc maintenant qu'ils se sont installés, eh bien ils se distancent de plus en plus de la Horde, et ils songent même peut-être à potentiellement la quitter, à tel point qu'ils ne sont en désaccord avec Garrosh. Donc on n'est pas du tout dans la même approche, et Garrosh va de plus en plus d'ailleurs se fermer avec les races qui ont défié son autorité petit à petit. Et ça c'est quelque chose qui est déjà à Cataclysme. Mais le truc c'est que voilà, en fonction des zones, Garrosh n'a pas forcément toujours le même comportement. Et pareil, hein, Sylvanas va envoyer Garrosh, va tout simplement l'envoyer se faire paître, hein. Garrosh dit oui, la peste tu vas pas l'utiliser. Sylvanas dit oui, et en fait elle utilise la peste. Et Garrosh, c'est d'ailleurs une des grandes phrases maintenant qui est revenue il y a pas longtemps, Garrosh qui traite Sylvanas de chienne en français mais c'est bitch en anglais. Et Garrosh dit d'ailleurs que Sylvanas n'est qu'au final, quelle est la différence entre Arthas et toi? Et Sylvanas dit moi je travaille pour la Horde. En gros c'est ça. Et pendant Cataclysme, donc ça c'est fin Cataclysme, début Mists of Pandaria, eh bien arrive Theramore, l'incident de Theramore. Comme je vous l'ai dit, Garrosh est le grand nettoyeur, il est celui qui doit balayer les incohérences. Quoi, la Horde et l'Alliance, ils se foutent pas sur la gueule? Quoi, Theramore? Theramore c'est important justement dans la paix entre la Horde et l'Alliance. Je vais m'en occuper, it's ok. Et dans la nouvelle donne qu'amène Garrosh, eh bien c'est l'outil scénaristique parfait. Il dégage tous les problèmes scénaristiques, Garrosh. Kairoz Dormu, on en reparlera après. Gommé, Theramore, gommé. Et du coup, eh bien, je vous le rappelle, il a assassiné, enfin il a assassiné un général qui avait déshonoré la Horde, donc qui avait lâché une bombe de mana sur des druides, elfes de la nuit et tauren. Et bien là, il va tout simplement, suite au conflit hors d'alliance pendant Cataclysme, notamment du coup au niveau des Barrens, donc au niveau des Tarides et d'Ashenvale, donc d'Orneval, donc tous les conflits avec Kalimdor, eh bien il va faire en sorte que l'Alliance se regroupe à Theramore, donc toutes les forces de l'Alliance à Theramore, donc les forces militaires, mais Theramore sur le papier, hein, parce que d'en haut c'est une petite ville, Theramore c'est censé être une très grande ville de l'Alliance, une des plus grandes du monde de Warcraft d'ailleurs, et au final eh bien, il va y avoir énormément d'innocents dedans. Il fait en sorte, sa tactique, donc c'est là où on voit encore qu'il n'est pas non plus débile, sa tactique c'est de rassembler tout le monde. Et à Theramore, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lâcher une bombe de mana, mais qui a été boostée par l'œil de focalisation. Alors l'œil de focalisation c'est pareil, hein. Le focalisation il est utilisé, vous en reparlerez dans la vidéo de Cataclysme. Ce truc là c'est l'outil parfait pour toutes les bullshit scénaristiques. Donc ils utilisent l'iris de focalisation, donc en gros l'œil de Maligos, hein, un instrument magique, un artefact magique. Donc l'iris de focalisation pour booster la bombe de mana, il a l'arc sur Theramore et là c'est Hiroshima, atomise littéralement Theramore, les soldats de Theramore, mais également les civils, les citoyens de Theramore sont tous vaporisés, innocents, civils comme militaires, et car Theramore pour lui est une menace directe pour Orgrimmar, beaucoup trop proche d'Orgrimmar. Ça c'est pas un crime de guerre, c'est pire que ça, hein. on est sur du crime contre l'humanité, c'est terrible. Là je dis ça avec un sourire, c'est pas spécialement drôle sur le papier, mais Garrosh a totalement vaporisé l'une des grandes capitales de l'Alliance et il a tué tous les habitants, quasiment tous, hein. Jaina et un ou deux personnages vont réussir à s'en sortir, mais globalement tous ceux qui étaient présents à Theramore ont été vaporisés. C'est véritablement le Hiroshima de Warcraft. C'est lui qui a ordonné ça et il a même, pire que ça, fait en sorte que tout le monde se rassemble là pour qu'il y ait un maximum de victimes. Donc oui, Garrosh did wrong. Garrosh did wrong. Mists of Pandaria, on va avancer très vite pour Mists of Pandaria parce que Cataclysm c'était vraiment l'objet de la vidéo, parce que c'est le moment où justement il y a cette ambiguïté d'écriture concernant Garrosh. Souvent les gens disent que Garrosh est un personnage qui a toujours été bien droit dans sa manière d'écriture, etc. Pas du tout, hein. Vous voyez bien qu'à Cataclysm c'est pas le cas. Encore une fois, une idée reçue cassée. Mists of Pandaria, comme c'est vraiment l'intrigue de Garrosh sera fondamentale, je dirais, dans l'écriture de Mists of Pandaria. On y reviendra plus en détail dans Mists of Pandaria. Mais globalement, Garrosh, on va lister les crimes de guerre qu'il a pu commettre à Mop. Donc découverte de la Pandarie. Et globalement, ce qui est dit, hein, c'est justement que Garrosh, eh bien, va commettre des atrocités. Et c'est l'une des raisons, en fait. C'est pas d'habitude, on va dans une zone pour contrer une menace qui émerge là-bas. Ici en fait c'est nous qui amenons la menace, c'est en tant que joueur on amène le conflit. Mists of Pandaria est vraiment unique à ce niveau là et justement eh bien, il va continuer de démontrer sa barbarie pendant toute la campagne de Pandarie. Il va tuer des innocents Pandaren qui sont sur son chemin, il va piller les ressources et surtout brûler les ressources de l'Alliance pour garder ses ressources pillées, maraudées, etc. pour récupérer les ressources et priver l'Alliance de ces mêmes ressources. Et il va également utiliser les reliques et artefacts Pandaren pour en faire des armes. Normalement ça doit vous dire quelque chose, vous savez les nazis... nazis en font toujours des armes. Nazis ils en font des armes. Ça rappelle un peu, enfin bon, je vais pas m'attaquer, mais ça fait aussi un peu elfes de sang, Harrison Jones qui se bat contre les elfes de sang qui veulent faire de différents artefacts, des armes, tout ça. C'est très dans le comics, hein, c'est tout le temps les nazis, hein, ou dans les films souvent pas terribles, où justement c'est les nazis qui veulent faire de tels trucs une arme, etc. Là c'est un peu l'idée, hein, ils veulent en faire des armes. Garrosh va notamment faire des assassinats que ce soit chez lui dans les Barrens, mais aussi une tentative d'assassinat contre la personne que vous voyez ici, magnifiquement bien dessinée par Namoine, Vol'jin, qui a été une des... à force de dire merde et de dire non à Garrosh, eh bien à un moment donné Garrosh va en avoir marre et il va faire assassiner Vol'jin. L'assassinat ne fonctionnera pas, ne sera pas mort, il ne va pas être tué, en gros la tentative d'assassinat sera un échec, mais Garrosh, l'honorable, qui était déjà pas honorable à Cataclysm, eh bien a tenté d'assassiner Vol'jin. Donc ça c'est des pratiques qui ressemblent plus à Gul'dan ou à Blackhand, même à Orgrim, mais plus Blackhand et Gul'dan là véritablement que Garrosh ou que Thrall par exemple. Donc c'est quelque chose d'assez terrible. Vol'jin qui est en permanence en désaccord avec Garrosh. Et surtout le clou, je dirais la cerise sur le gâteau des atrocités, eh bien c'est le Val de l'Éternel Printemps, où il a quasiment laissé pour mort Taranzu, l'un des grands chefs Pandaren, et il a surtout détruit, atomisé le Val de l'Éternel Printemps. Et ça c'est quelque chose qui va balafrer en fait la Pandarie pendant très longtemps, hein. Le Val de l'Éternel Printemps c'est une zone assez importante. Donc ça va amener bien sûr à un moment donné la rébellion, une rébellion chez la Horde et l'alliance qui va soutenir cette rébellion contre Garrosh qui mène la Horde, qui est toujours chef de guerre de la Horde. Donc fin de Mists of Pandaria, c'est le siège d'Orgrimmar, l'union des rebelles de la Horde, Vol'jin, Thrall, Bane, Sylvanas, également leur Témar, mais les ailes de sang, bon, on les développe pas tant que ça, leur grand arc sur l'addiction est fini, donc on se cherche encore. Qu'est-ce qu'on fait maintenant sur les ailes de sang? Ah bah on continue sur l'addiction à Mists of Pandaria. Mais bon, les ailes de sang sont pas trop développées au final à Mop, comme à Wood d'ailleurs. Hein. Donc bon, ça n'avance pas tant que ça. Il y a quelques trucs, mais pas grand-chose. Donc c'est surtout au final les figures de proue de la résistance, surtout Vol'jin, Thrall, Bane, évidemment Bane qui doit venger son père, et même Sylvanas hein, qui se frotte les mains de pouvoir résister à Garrosh qui lui avait donné plein d'ordres avant. D'ailleurs le siège d'Orgrimmar, j'y reviendrai plus tard à Mists of Pandaria, mais c'est un sacré bullshit scénaristique puisque en gros il y a de l'anti-magie, les chamans ne sont pas censés pouvoir lancer de sorts. On peut très bien lancer des sorts là-bas, il n'y aura pas de problème finalement. À l'issue du siège d'Orgrimmar, eh bien on retrouvera Garrosh qui a une forme dieu très ancien, et là c'est encore une idée reçue, c'est en fait Garrosh, tout ce qu'il a fait c'est peut-être à cause des dieux très anciens. Eh bien non, hein, les dieux très anciens ça peut pas en permanence expliquer toutes les conneries des personnages. Garrosh a consumé effectivement le cœur de Yarcharaj, l'un des dieux très anciens, le dieu très ancien de Pandarie, mais qui a été tué, et du coup c'est les chats, les émanations en gros, ce qui reste de Yarcharaj. Eh bien il va même abandonner. Là ça vous montre vraiment que le personnage abandonne son histoire personnelle et son héritage, puisqu'il va abandonner Gorol, donc la hache de Grom, son père, pour une arme qui s'appelle Xalato, qui est, alors peut-être que je prononce mal, mais bon, encore une fois c'est un truc de très ancien, donc ça peut s'appeler de plein de noms différents, mais c'est Xalato, Chalato, vous l'appelez comme vous voulez, mais en gros, eh bien, il prend une nouvelle hache qui a une forme plutôt dieu très ancien, qui fait très sous le calibre d'ailleurs, et la plupart des gens pensent que c'est les dieux très anciens qui ont du coup pris le contrôle de son esprit. Eh bien non, et au contraire les fans de Garrosh devraient se glorifier de ça, puisque sa défaite donc va détruire les restes, donc on enlèvera, quand il va perdre, ça enlèvera tout l'aspect dieu très ancien. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, non, Garrosh n'est pas tombé sous l'influence d'un dieu très ancien, au contraire, ça prouve que même un dieu très ancien, Garrosh est tellement borné et tellement sûr de ses idées, il a une volonté tellement inébranlable que même un dieu très ancien, bon là pour le coup c'est les restes d'un dieu très ancien, mais même le vide, même les dieux très anciens ne peuvent pas l'atteindre. C'est l'un des très rares personnages qui est capable. Allégion arrivera à l'Eria, mais les personnages qui ont su résister à l'influence du vide, il y en a très très peu. D'où la connerie de créer les elfes du vide. Ça minimise l'impact d'Aleria et de Garrosh. Mais Garrosh est le premier véritable personnage qui a résisté à l'influence des dieux très anciens. En fait l'idée c'est qu'il est tellement absolu, tellement obtus dans sa manière de faire que même le vide n'arrive pas à l'influencer, et ça c'est assez incroyable. Un fan de Garrosh limite devrait justement trouver ça génial, ne pas dire oh en fait c'est les dieux très anciens, Garrosh pas comme ça. Non, au contraire, c'est la grosse brutasse qui a su résister à la volonté. Le mec est tellement bourrin, un peu comme les orques de Warhammer à ce niveau là, ils sont tellement bourrins qu'ils peuvent pas servir le chaos. Bah là il est tellement bourrin que même un dieu très ancien ne le fonctionne pas. Ça a d'ailleurs été tweet. Donc je vous laisserai ça dans les sources. Il y aura pas mal de sources dans la description, c'est Eva qui s'est occupée de toutes les sources. Voilà, les sources, bien sûr on fait un travail pour les voir, mais c'est toujours un peu... la bibliographie c'est un truc un peu chiant, il faut remettre le truc, etc. Donc merci à Eva d'avoir fait la bibliographie, et je la mettrai dans la description. D'ailleurs j'en profite pour vous parler de quelque chose, puisque à Mists of Pandaria, beaucoup de gens n'étaient pas forcément très fans du fait qu'on tombe Garrosh, notamment au siège d'Orgrimmar, à Mists of Pandaria. Et du coup, eh bien, il faut citer à la BlizzCon Chris Metzen qui a fait quelque chose de très drôle, puisqu'il avait été étonné qu'il y ait un mouvement de protestation qui disent non mais pourquoi on va tuer Garrosh, etc, pourquoi on va le battre, c'est inadmissible, le lore de Blizzard, Activision, hein, c'est n'importe quoi, blablabla. C'est marrant, c'est un discours que je n'entends qui a disparu, un discours qui a disparu bien sûr. Du coup, je vais vous lire ce qu'a dit Chris Metzen. Nous trouvons des choses dans les personnages en tant que conteurs ou autres, où c'est le chemin logique pour le personnage, et nous allons faire ceci ou cela. Mais les gens réagissent aux choses de manière si différente que cela vous oblige à voir des choses dans les personnages que vous ne voyiez pas forcément avant. Vous voyez qu'il y a une certaine équité dans les orientations des personnages que vous ne pensiez pas forcément qu'il y aurait. Garrosh est un des personnages où je n'arrive pas à croire que les gens l'aiment tout d'un coup, mais c'est amusant, non? Donc en gros, eh bien, pour lui, à l'époque il était détesté par les fans, Garrosh, Wrath of the Lich King notamment, et du coup ils avaient prévu, comme les gens le détestent, bah, ils avaient prévu de faire un arc antagoniste que du coup les gens apprécieraient, parce qu'il avait dit non à Thrall, il avait dit fuck à Thrall, il avait tué Cairne, Donc ça aurait été un moment, on va dire, orgasmique pour les joueurs de tuer celui qui est derrière tout, tant de maux, tant de problèmes. Et au final, eh bien, il y a eu un mouvement. Là, ça y est, le Garrosh Fan Club a commencé à faire parler de lui. Enfin, plus que faire parler de lui. Et à tel point que ça a choqué un peu Chris Metzen qui s'est dit, bah, on s'attendait pas à ça. Mais c'est aussi ce qui fait la saveur d'un univers. C'est que des fois, on s'attend pas forcément aux réactions des gens. Et ce qui est très drôle, c'est que la plupart des auteurs d'ailleurs, que ce soit Kovac, que ce soit Metzen ou par exemple Christy Golden, la plupart des personnages, quand on leur demande ce qu'ils pensent de Garrosh, bah, ils disent bah, c'est un bourrin, pas très intéressant. Et on avait posé la question, je crois que c'est Chris Metzen, on lui avait posé la question est-ce qu'un jour il y aurait un livre exclusivement sur Garrosh Hellscream? Il avait répondu ce serait pas très intéressant, ce serait probablement que du taper. Donc c'est assez intéressant d'entendre ce genre de phrase. Du coup, à la fin, oui mince, j'ai pas parlé quand même de Crime de Guerre. Du coup, Crime de Guerre, c'est tout simplement le livre qui se passe entre Mists of Pandaria et Warlords of Draenor. C'est honnêtement un livre indispensable parce que sinon on comprend pas trop comment on a fini de Pandarie à Warlords of Draenor. Donc c'est un livre assez important, même, enfin vraiment indispensable à ce niveau-là pour comprendre. Ça date pas de BFA hein, malheureusement ce genre de choses, notamment à Cataclysm. Crime de guerre, donc c'est le procès de Garrosh où justement eh bien, on va devoir essayer d'humaniser le personnage. C'est notamment Bane, le fils de Cairne, qui doit humaniser, qui est l'avocat de la défense, qui doit essayer de défendre Garrosh. Et au final, Garrosh y est jugé. Et ce qui est assez intéressant, là pour le coup il aide pas vraiment Bane, puisque Garrosh, on va lui demander justement ce qu'il pense de ce qu'il a pu faire. On va lister toutes les horreurs, tous les crimes qu'il a pu commettre. Et le truc c'est que Garrosh justement... eh bien il ne regrette absolument rien, il est fier et déterminé, voire, et il dit même justement que si on lui donnait l'occasion de recommencer, eh bien il ferait potentiellement même pire. Donc il crache même au visage d'Anduin qui lui propose justement la rédemption, d'essayer de faire pardonner ses fautes, etc. Il lui rit au nez et il s'en bat les steaks, au contraire il est amusé de tout ça. Au final arrive Warlord of Draenor, donc à la fin de ce bouquin sur le procès de Garrosh qui finalement eh bien n'aura pas lieu. Donc 90% du bouquin on te parle d'un procès et à la fin du procès on te dit ah bah en fait il n'y a plus de procès, il est parti. Super bouquin. Du coup Garrosh se rend dans la Draenor alternative grâce à un personnage, à un outil scénaristique formidable. Ça on y reviendra dans la vidéo sur Warlord of Draenor, hein. J'ai hâte celle-là, j'ai hâte. Du coup Kairoz Dormu, donc qui est un dragon de bronze qui prend l'apparence d'un elfe, d'un haut elfe d'ailleurs, pas un elfe de sang, d'un haut elfe. Et eh bien il l'a aidé à s'échapper et il l'a amené dans cette version alternative de Draenor, donc la Draenor alternative. Et il dit justement bah en fait Garrosh on a besoin de toi, tu vas monter ta horde et tu vas servir le vol infini hein, donc les dragons de bronze qui ont pété un plomb, qui ont vu la fin de toute chose, tout ça, qui servent en gros les dieux, le vide et les dieux très anciens. Eh bien tu vas nous construire ta horde et tu vas nous servir pour pouvoir attaquer Azeroth. Évidemment Garrosh c'est plutôt son délire de faire ça, donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien pour le remercier, il va lui briser la nuque et garder tout le plan sauf l'aspect vol infini. Et l'aspect vol infini ne sera jamais réévoqué à World of Draenor, ce qui est quand même incroyable. Donc en gros cet outil scénaristique parfait, cette carte sortie de prison incroyable, bah Garrosh il s'en est servi. Et comme avec plein d'autres choses qu'il a fait avant, il a nettoyé la preuve, il a nettoyé ses outils scénaristiques parce qu'il a mis sous le tapis, c'est-à-dire il lui craque. En plus encore une fois Garrosh qui tord en gros le... Bon là il est sous sa forme d'elfe quand il le tue, mais il a en gros brisé la nuque d'un dragon, ce qui est quand même pas mal. Et bah, le perso on le reverra pas, hein. Dans World of Draenor il y a un écho de Kairoz Dormu mais c'est tout. C'est un personnage super important hein, qui fait la jonction entre Mists of Pandaria et World of Draenor, mais hop ça dégage, allez hop ça dégage, merci à toi. Merci d'avoir fait avancer le scénario, à plus tard. Tu es jetable mon cher Kairoz Dormu. Ensuite du coup à Mists of Pandaria, à World of Draenor pardon, il y aura évidemment la mort de Garrosh, qui va servir les chefs de guerre, les anciens chefs de guerre, notamment Popo, on va le voir avec Popo, avec Grom Hellscream, et il va orienter, il va faire pas mal de choses. On y reviendra plus en détail dans la vidéo de World of Draenor parce que c'est aussi un sacré nid d'incohérence. Mais eh bien il y aura tout simplement un gros duel en Mag'gora une nouvelle fois. La dernière fois ils avaient été coupés par le roi Lich, il n'y aura pas d'Arthas cette fois-ci pour les priver de leur duel plein de sueur et de larmes, et d'huile surtout. Mak'gora donc entre Thrall et Garrosh, et encore une idée reçue, Thrall aurait triché puisqu'il a utilisé les pouvoirs du chaman, je vous laisse aller voir ma vidéo sur la Mag'gora, absolument pas, c'était ma première vidéo de débunkage. Garrosh n'a absolument, d'ailleurs ne dit jamais que Thrall triche dans la vidéo, alors que ce serait peut-être le premier concerné et dire qu'il triche. Et au final eh bien Thrall va prendre le dessus Et Garrosh, juste avant de mourir, alors ça c'est important parce qu'il y a une petite nuance entre la VF et la VO, il dit justement, donc Garrosh dit « tu as fait de moi ce que je suis », Thrall répond « tu as choisi ta propre destinée ». Et ça c'est souvent ce qui est ressorti, c'est oui, si Garrosh au final il a fait des conneries, c'est à cause de Thrall, au final c'est Thrall qui l'a mis, là, et au final c'est de leur faute, enfin c'est de sa faute, c'est de la faute de Thrall si Garrosh eh bien, a détruit tout le monde. Alors déjà Thrall répond à ça. Mais Garrosh ne dit jamais genre si j'ai fait tout ça c'est à cause de Thrall. Sa phrase c'est tu as fait de moi ce que je suis. Ce qui est vrai. Thrall l'a pris sous son aile et lui a appris des choses. Le truc c'est que Garrosh il a pris ces choses, il les a dégagées, il les a fait non moi je retiens que ça en fait. Donc et Thrall le dit aussi. Thrall répond tu as choisi ta propre destinée. Donc ça c'est assez intéressant parce que Garrosh a été influencé par Thrall. Ça c'est sûr. Il a été influencé par Thrall. Mais il a retenu que ce qu'il voulait retenir. Et au final, Garrosh s'est comporté comme Garrosh. C'est-à-dire, ça c'est le truc propre au personnage. Garrosh, quand il a décidé un truc, c'est une tête de con. Hein. Genre il a probablement du sang catalan. Il a continué tout droit en fait. Et ça c'est assez intéressant dans cet échange. Dans cette, parce que beaucoup de gens en fait, au final disent oui, enfin Garrosh, s'il a fait des choses horribles, c'est à cause de Thrall. Bah, oui, bien sûr que Thrall, c'est lui qui l'a mis en tant que chef de guerre, mais en tant que chef de guerre, c'est Garrosh qui a appuyé sur le gros bouton rouge, qui a atomisé Theramore, qui a détruit le Val de l'Éternel Printemps. C'est pas Thrall, c'est Garrosh. On peut pas dédouaner. C'est comme au procès de Nuremberg. Alors vous allez me dire point Godwin, la thématique de Garrosh est liée à Mussolini, hein, liée au fascisme, etc. L'idée de la vraie horde, d'une horde pure, sans les trolls, sans les taurennes, etc., etc. C'est quelque chose de très propre à 39-45, hein, une période sombre de l'histoire. Et c'est comme si au procès de Nuremberg, les mecs avaient dit Oh bah vous savez, vous devriez amener au procès les anciens, l'opposition qui a raté sur les élections, les mecs de la démocratie, les mecs de la République qui nous ont laissé les clés. Hein. Voilà, au peuple aussi, hein, le peuple hein, qui a voté pour nous, c'est des gros cons quand même. On peut pas se servir de ça comme excuse, c'est pas possible. Enfin bon, comme conclusion en tout cas, puisque Garrosh trouvera la mort dans ce duel, il faut arrêter de voir ce que Garrosh n'est pas ou le dédouaner de ce qu'il a pu faire. Lui-même n'a aucun regret, à aucun moment Garrosh ne regrette ses actions. Il le dit texto et pas qu'une fois. Il le dit et le redit, il est fier de ce qu'il a fait. C'est d'ailleurs ironique qu'un personnage inspiré du populisme mussolinien fasse naître autant de propagande, on va dire, liée à son culte. Et que justement le message que peut dénoncer on va dire Garrosh en tant que personnage avec les dérives etc amène justement ce culte de la personnalité et ce culte du chef justement qui est parfait, qui a un passé absolument fantastique, la vraie horde etc et on retire ce qu'il a fait de mal ou on retire les choses horribles qui du coup ne sont pas du tout fidèles à la horde, la vraie horde dont il se rallie. C'est d'ailleurs très drôle qu'un Mag'har, donc un orc qui n'a pas participé à la première guerre, deuxième guerre, troisième guerre, se réclame de cet héritage. C'est quand même assez drôle et assez cocasse. Mais encore une fois, le but n'est pas de vous faire détester le personnage. Garrosh, en tant que méchant, en tant que personnage parfois détestable, est intéressant. Le truc c'est juste qu'il vous devez être conscient de ce qu'il a fait et ne pas le dédouaner de ses actes. Le Garrosh Did Nothing Wrong c'est de la connerie, c'est du n'importe quoi. Garrosh Did Wrong, complètement. Finalement, donc pour finir aussi, Garrosh refait une petite apparition, un petit caméo à Shadowlands dans la vidéo liée à Revandress où en gros les âmes de ceux qui ont fait des choses absolument terribles vont être jugées et potentiellement avoir leur rédemption et s'ils ne veulent pas de leur rédemption vont dans l'antre. Et bien Garrosh du coup... Le personnage ne veut pas vraiment, comme je l'ai dit, de la rédemption. Il sert de vache à lait, donc en gros son esprit spirituel, sa force spirituelle, son âme, son anima, eh bien, est tellement puissante que on va s'en servir pour pouvoir, de vache à lait, vraiment de ressources en fait. Hein. On va le puiser, on va puiser en lui. Et au final, eh bien, il est condamné à la torture en Revandress, donc une des zones de Shadowlands. Et potentiellement, je sais que maintenant beaucoup de gens en parlent, est-ce qu'il y aurait une rédemption autour de ce qu'il a fait, etc. La rédemption me paraît difficile, voire vraiment impossible à imaginer parce que le perso est encore une fois fier de ce qu'il a fait et s'il devait le refaire il ferait pire, hein, ça c'est crime de guerre, donc je vois pas vraiment une rédemption pour Garrosh. Sachant, bon là je spoil un petit peu, mais bon c'est pas très important, au contraire ne vous attendez pas à un retour de Garrosh à Shadowlands. Peut-être qu'il reviendra, mais pour le moment, que ce soit dans le pexing, dans la campagne de congrégation ou les raids et les donjons, Garrosh n'apparaît pas. Donc pour le moment c'est un caméo qu'il a fait pour vous expliquer que ceux qui ont commis des crimes vont là-bas en fait. Donc est-ce qu'il y aura une rédemption pour Garrosh? Je n'y crois peu et je pense même que ce serait un peu incohérent avec le personnage. Et au contraire, justement en tant que fan de Garrosh, on devrait aimer le fait qu'il ait dit non à un dieu très ancien et maintenant ils disent non à la mort elle-même. Ce serait on va dire tout l'intérêt du personnage, le fait que jusqu'au bout il soit droit dans ses bottes et que jamais ils disent non et qu'il soit tellement tête brûlée qu'il continue dans son délire. Dire fuck à la mort, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà pour l'histoire de Garrosh. Elle a été un petit peu longue mais il y avait beaucoup de choses à dire, que ce soit sur l'arc de Garrosh. Encore une fois hein, c'est un personnage qu'on peut ne pas aimer, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais il a une histoire riche au final le pépère. Il a une histoire riche, certes très liée à papa, mais il a su aussi se démarquer par ses propres choix et ses propres actions. Et ça en fait un personnage intéressant, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et il ne faut pas nier certains actes ou autres. C'est ça, justement, c'est l'essence du personnage. Et oui, il n'a pas eu un traitement forcément toujours cohérent à cause de différentes décisions prises par Blizzard. Et on peut pas en vouloir non plus à Chris Metzen. C'était une manière de développer le truc. Et au contraire, à la base, Metzen, il a voulu aller dans le sens du public. C'est juste qu'il ne s'attendait pas à ce que l'opinion du public évolue. Et c'est une leçon que Blizzard a bien retenue à ce niveau-là et normalement devrait appliquer pour Sylvanas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler, de faire vos retours et autres dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager ça au Garrosh Fan Club, évidemment. Hein, alors attention, pas les Garrosh, mais ceux voilà, qui sont absolutistes, hein, un petit peu comme les elfes de sang. Hein, les elfes de sang sont tout mignons, tout jolis. N'hésitez pas à dire pareil pour ceux qui disent non, non, Garrosh did nothing wrong, il a été parfait. Après la vidéo va être longue, donc j'imagine qu'ils n'ont pas envie de la regarder. Mais n'hésitez pas à leur partager quand même. Voilà, plein de bisous. N'hésitez pas encore une fois à partager, à liker, à suivre les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Encore de gros remerciements pour Evanessor qui m'a aidé au tournage de cette vidéo. N'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter également et sur sa chaîne Twitch. Plein de bisous. A bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans Nexus. Bientôt Cataclysme.